Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. En tout cas, bah moi pour ma part les gars, je suis surexcité. Je suis comme un ouf parce que je viens d'apprendre une très très bonne petite nouvelle. Des abonnés m'auraient contacté et m'auraient informé que la célèbre youtubeuse Diana de la chaîne Diana Roma aurait été aperçue aux abords du McDonald's. Oui, 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 il y a à peine quelques heures les gars. Alors moi je vous le dis, j'ai pas perdu une minute de plus. En gros, j'ai directement décidé de prendre la voiture. Je me suis rendu jusqu'au McDonald's. J'ai pas perdu de temps les gars. Regardez, je suis là, je suis devant McDo, je suis devant McDonald's. Et j'espère qu'une seule chose, et bah c'est d'essayer d'apercevoir la célèbre youtubeuse Diana. En plus de ça les gars, elle aurait été apparemment invitée par McDonald's pour l'occasion du tout nouveau Happy Meal de Diana Roma. Ça c'est la folie les gars, je vous le dis. Rappelez-vous bien, la semaine dernière c'était les Vlad et Nikki, et là cette fois-ci c'est Diana de la chaîne Diana Roma. C'est incroyable. En tout cas je peux vous dire que moi toujours à la voiture, je suis équipé du drone. Et oui, et là je pense que je vais m'en servir parce qu'on a de très très fortes chances de retrouver Diana aux abords du McDonald's. C'est très très sérieux les gars. En tout cas je vous le dis, moi dans un premier temps ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller commander le Happy Meal spécial Diana Roma. Et dans un deuxième temps, on utilisera bien évidemment le drone pour tenter véritablement d'apercevoir Diana. Ah ouais, oh là, je suis comme un ouf les gars. Allez, je perds pas plus de temps et on va directement commander. C'est parti. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, que puis-je pour vous? Alors j'aimerais bien savoir si vous proposez actuellement là aujourd'hui le Happy Meal spécial de Diana et Roma. Oui, bien sûr, le Happy Meal Diana et Roma est actuellement disponible. D'accord, d'accord, très bien. Alors bon, attendez, j'ai une petite question à vous demander d'abord. Est-ce que le Happy Meal spécial vient avec un jouet? Oui, oui, bien sûr, il y a même plusieurs jouets qui viennent avec le Happy Meal. Oh, les gars, il y a des petits jouets et tout. Intéressant, intéressant, on va découvrir tout ça ensemble, bien évidemment, les gars, comme d'habitude. Mais alors, avec le Happy Meal, du coup, je vais vous prendre frites, cheeseburger, avec le supplément nuggets, si possible. Vous mettez ketchup et puis supplément frites aussi. Ouais, ouais, beaucoup de frites. Excusez-moi, mais avec le Happy Meal Diana Roma, ça vient que avec des bonbons. Hein? Que des bonbons et rien d'autre avec. Ah, ouais, d'accord. Donc, il y a que des bonbons. D'accord, donc le Happy Meal Diana Roma, il y a que les bonbons. Oui, c'est exact. Ah, d'accord, ok, je ne savais même pas. Alors, ça, c'est vraiment très très spécial. Un instant, par contre, dernière petite question. Est-ce que Diana de la chaîne Diana Roma a prévu de venir ici au McDonald's? Bien sûr, à l'occasion du tout nouveau Happy Meal, oui. D'accord, ok, d'accord. Allez, ça y est, il est maintenant temps de récupérer mon petit menu, les gars. Et, il est maintenant temps aussi de payer. Bah oui, oh, attendez, mince, les gars. Oh non, je crois que... Mais les gars, aujourd'hui, mon portefeuille est vide. J'ai plus d'argent, les gars. Mais oui. Ah, mais ça, c'est à force de commander tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des Happy Meal. À la fin, les gars, j'ai plus d'argent. Oh non, 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 non. Oui, bonjour. Ça pour récupérer ma commande. Oui, bonjour. Alors, je vais vous demander 14 €. Mon portefeuille est vide aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me faire une faveur? Est-ce que je pourrais payer la prochaine fois, peut-être? Ouais, bon, c'est d'accord pour la prochaine fois, mais sans faute. Merci. Oh, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Ça y est les gars, on l'a notre fameux Happy Meal Diana Roma. Oh, je suis comme un ouf les gars, je vous le dis. Celui-là, je voulais pas le rater en plus. C'est parti, je l'ouvre. Oh, regardez, regardez ça de plus près les gars. Il y a des petites boîtes de toutes les couleurs. Une jaune, une violette, une bleue, une rose. Allez, regardez ce que j'ai là. Les gars, j'ai plein de petits coffres. Je crois que pour l'ouvrir, j'ai besoin d'une clé les gars. Regardez, il faut rentrer une clé à l'intérieur. Je peux pas l'ouvrir, c'est impossible, impossible. Mais où est donc cette clé les gars? Il me faut la clé. Où est la clé? La clé. Hop, je l'ai. J'ai la fameuse clé les gars pour ouvrir les petits coffres. On va d'abord ouvrir le coffre de couleur jaune. Oui les gars. Je rentre la clé à l'intérieur. Oh, je pense qu'il doit y avoir des petites surprises dans ce petit coffre les gars. Ouais, allez, on ouvre le coffre fort. Oh, je l'ai ouvert. Oh, je l'ai ouvert. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a une surprise. Il y a une surprise dans le coffre. Ok, je l'ouvre. Je l'ouvre. Wow, regardez ça, les gars. Mais il y a une petite figurine Diana Roma. Trop stylé, les gars. Ça, je pourrais l'ajouter à mon porte-clé. Allez, on les enchaîne. On les ouvre. On va tous les ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Oh, un bonbon. Un bonbon cerise. Oh. Allez, hop. Ah oui. Alors là je suis satisfait. Non mais désolé les gars, le Happy Meal Diana Roma c'est la tuerie. Vraiment. Le rose, est-ce qu'on a ouvert le rose? Non, le rose je vais l'ouvrir. Oh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Attention, suspense. Je l'ouvre. Wow.
Wow! Oh, ouais, regardez ça! C'est un bracelet avec des petits cœurs! C'est trop mignon! Non, désolé, c'est trop mignon! C'est trop stylé! Je vais le garder! Bien sûr que je vais le garder, les gars! C'est vraiment trop beau! Allez, le petit coffre bleu maintenant! Le coffre fort bleu! Attention, je l'ouvre! Oh! Wow! Hey! Yeah! Le paquet de bonbons! Mais le paquet de bonbons en entier! Oh, ouais! Oh, je mets tout dans la bouche! Oh, oh. Tiens, les gars, on a ouvert tous les petits coffres! Attendez, il y a mon téléphone qui sonne! Mon téléphone sonne! Et attention, attendez! Hey! Oh! Les gars, regardez! Ah, attendez, mais je vous montre! Regardez, les gars, je reçois un appel inconnu! À qui ça peut être? Eh, je sais, c'est peut-être les abonnés! Attendez, je réponds! Je vais répondre! Allô? Allô, les gars, les abonnés? Hey, allô, Arctic? Hey, je t'appelle parce que je crois avoir vu Diana aux abords du McDonald's! Et tu peux peut-être la retrouver avec ton drone! Tout de suite, les gars, c'est tout de suite là? Oui, tout de suite! Et dépêche-toi, Arctic! Oh, ok! Ah, bah, allez, moi, ça y est, je suis déjà aux abords du McDonald's! Je vous le dis déjà, je survole tout le parking et tout autour du McDo, les gars, en espérant bien évidemment capturer Diana avec le drone. Ok, là cette fois je contrôle mon altitude, je vais baisser un peu et là je bouge plus, je vais surveiller comme ça le parking là, mais... Eh! Oh! Là les gars, c'est Diana! Elle est là! Elle est actuellement en train de faire une vidéo, je crois. Bah oui, parce qu'elle tient une caméra en main. Mais vous l'avez bien vu, les gars! Je suis pas fou! Là! Regardez, elle passe tout juste sur le passage piéton avec sa caméra en main. Ah, c'est la folie, les gars. Elle fait actuellement une véritable vidéo YouTube. Mais attendez, les gars. Qui c'est qui la suit derrière? Attendez, je me positionne là. Regardez, on voit Diana. On le voit, Diana, encore avec sa caméra. Mais là, regardez là, qui c'est qui? Mais je crois que c'est Blippi. C'est Blippi, je l'ai reconnu. Les gars, je pense qu'on l'a tous reconnu. Moi, les gars, reconfirmez-moi dans les commentaires. Mais je suis sûr d'avoir bien vu Blippi en train de suivre Diana, en train de la rattraper. Attention, parce que Blippi, j'ai bien peur qu'il ait de très mauvaises attentions. Et ouais, des fois, Blippi, il fait des bêtises, les gars. Hein. Il est pas sage. En ce moment, il est pas sage, Blippi, je vous le dis. Mais bon, en attendant, je pense que là, bah, Diana, elle est actuellement maintenant dans le McDonald's. Et je crois qu'elle est en train de continuer à faire sa petite vidéo YouTube. Mais franchement, c'est la tuerie, les gars. Et là, je crois, bah, en plus, à l'occasion du Happy Meal de Diana Roma, elle en fait une vidéo et c'est trop bien ça, non? Et... Bah tiens, regardez la Blippi. Blippi a l'air très curieux. Ah. J'espère qu'il est pas là encore pour faire des bêtises, celui-là. Et il a intérêt de se tenir à carreau. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Je crois qu'il essaie carrément de s'introduire dans le McDo. Aïe. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mal. En plus, il essaye de la jouer discret. Ouais. Mais Diana ne l'a même pas encore aperçu. Eh ouais, il la joue discret là. Mais attends. Voilà, il me fait peur là. Ah non, Blippi me fait peur, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire là, les gars? Non mais vous voyez comme moi. J'ai l'impression qu'il s'amuse à voler les Happy Meal, non? Mais ouais. Mais attendez, mais non, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pendant que Diana elle a le dos tourné et qu'elle est préoccupée à faire sa vidéo, on a bien le vilain Blippi en train de s'amuser à prendre tous les Happy Meal. Mais non. Ah bah Diana s'en est rendu compte là. Attends, non mais Blippi là t'as pas le droit. Blippi là tu fais n'importe quoi. Blippi est actuellement en train d'empêcher Diana de faire sa vidéo. Il est carrément en train de la déranger et il est carrément en train de saccager toutes les boîtes de Happy Meal. Non il a pas le droit de faire ça. Non il a pas le droit. Blippi fait des bêtises. Mais Blippi en ce moment il est déchaîné, les gars. Mais non, mais Blippi t'es pas sérieux. Non. Oh bah voilà, bah Diana elle est repartie en courant. Mais Blippi, mais qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Je ne sais pas, il déraille. On a l'impression qu'il est carrément même devenu fou. Eh mais non, mais regardez, en plus c'est pas possible. Mais jusqu'à la sortie du McDonald's, Blippi poursuit Diana. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais il est littéralement en train de chasser Diana et pour l'empêcher de faire sa vidéo. Oh là là, mais il a pas le droit. Franchement, il a pas le droit de faire ça, les gars. Mais je pense que Blippi considère forcément que Diana est la concurrence. Et oui, et on le sait en plus, Blippi est prêt à tout pour se débarrasser de ses concurrents. Oh non, oh mon dieu. Vous savez quoi là, j'ai pris carrément la caméra en main et j'ai la chance d'être stationné tout juste à côté du McDonald's. Alors je pourrais probablement peut-être apercevoir. Bah là, regardez. Mais non, mais c'est ce qui se passe. Oh non, mais qu'est-ce que... Non, mais... Oh non, mais regardez ça les gars devant. Non. Oh non, mais c'est devenu insupportable. Non mais Blippi là c'est abusé, je suis désolé. Encore la semaine dernière, rappelez-vous bien les gars, c'était pareil, c'était la même chose, mais c'était avec Vlad et Nikki. Il est vraiment en train de les empêcher de produire leurs vidéos. Et je suis sûr qu'il fait tout ça pour avoir plus d'abonnés. Ouais. Ah non, mais franchement là, Blippi, il est horrible en ce moment. D'abord, je compte sur vous, mettez plein de pouces bleus pour soutenir Diana. Je pense qu'elle en a besoin. Je pense qu'elle en a véritablement besoin. Puis n'hésitez pas également à vous abonner
à la chaîne YouTube pour ne pas rater la suite des événements, les gars. Je vous promets de vous tenir au courant sur la situation. On se retrouve très très vite, les gars. Plein de gros bisous. Et allez, ciao. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, c'est une vidéo super spéciale. Je me trouve aux abords du McDonald's. Et oui, regardez, les gars. Les gars, je suis venu jusqu'au McDonald's à l'heure de 3h du matin parce qu'il y aura apparemment les youtubeurs très très célèbres Vlad et Nikki, mais qui se seraient venus se prendre un petit menu au McDonald's. Regardez, je me trouve au niveau de la terrasse du McDonald's et regardez là. Ah bah voilà, regardez, Vlad et Nikki, c'est les youtubeurs super populaires. Ils ont carrément été même invités par McDonald's. Non mais la classe, non mais les gars, sérieux, c'est incroyable. Et oui, bah regardez devant la porte du McDo, il y a du Vlad et Nikki partout, même à l'entrée, même à côté du nouveau sandwich. C'est incroyable, c'est carrément incroyable. Franchement, je kiffe, mais là, moi, ce que je veux, c'est de les retrouver. Ouais, je veux les retrouver, moi. Alors, attendez, on va regarder à l'intérieur du restaurant. Ah, mais ouais, mais tout est rangé, tout est fermé. Attendez, on va ouvrir la porte du McDo. Oh, c'est fermé. Ah ouais, c'est fermé, les gars. Bah c'est pas étonnant, c'est parce qu'il est l'heure de 3h du matin, les gars. Mais c'est pas pour autant que je vais me décourager, mais oui. D'autant plus que je vous le dis que là, si on les retrouve là tout de suite maintenant, on pourrait véritablement retrouver la version Vlad et Nikki, mais démoniaque. Oui, bah oui, à l'heure de 3h du matin, Vlad et Nikki sont complètement possédés par toutes les entités démoniaques. Et bon, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller toute la terrasse du McDo à la recherche des grandes vedettes de YouTube. Ouais. Alors attendez, on va chercher partout, les gars. Regardez, c'est la terrasse avec tous les petits parasols comme ça. Attendez, c'est quoi ça? Oh, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, Vlad Nikki, j'ai trouvé un œuf, Vlad Nikki. Regardez, non mais sérieux, les gars, j'ai trouvé ça sous un parasol en pleine terrasse. Regardez ça, j'ai trouvé l'œuf super-héros des Vlad et Nikki. Mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop incroyable là. Mais je pense que c'est un enfant qui l'aurait peut-être oublié là comme ça. Il était posé comme ça, quoi. Attendez, mais bon. Eh ben vous savez quoi, on va le prendre avec moi. Je vais le prendre avec moi. En tout cas, ça s'avère très 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 intéressant. Et bon, on prend ça et on retourne jusqu'à la voiture. Allez, vite, je retourne à la voiture. Allez, hop, on ouvre la porte de la voiture et allez, on va découvrir tout ça ensemble. Voilà maintenant, mais quoi, je me retrouve, les gars. Mais oui, et on va l'ouvrir parce que y a des trucs à l'intérieur. J'entends, il y a plein de trucs à l'intérieur, moi. Moi, je suis trop curieux. Moi, je peux pas laisser passer ça, les gars. Et regardez, il y a les deux frères. Là, je crois que c'est Vlad et là, c'est Nikki. Ils sont là, c'est là les deux frères, les gars. Oh, là, je vous le dis, on a fait une belle prise. Maintenant, on va l'ouvrir, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis, c'est blindé de surprises là-dedans. D'un côté, je suis vachement surexcité, mais d'un autre côté, vu qu'il est l'heure de 3h du matin, je vais rester quand même très méfiant. Vas-y, je l'ouvre. Oui, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, les gars, allez. Mais je vous le dis, j'arrache tout. J'essaye de tout arracher, mais je sais même pas comment on l'ouvre. Je me contente de simplement tout arracher, hein. Voilà. Oh, ça y est. Oh, mais regardez. Mais ça se compose véritablement comme un œuf. Attendez, si je tire dessus comme ça. Oh, je l'ai ouvert. Ça y est, je l'ai ouvert. Oh, mais regardez, il y a plein de trucs. Ok, je pioche un truc au hasard. Au hasard. C'est quoi ça? Je suis trop curieux. Alors là, les trucs comme ça, je kiffe. Ah là, je kiffe de fou, les gars, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah! Oh! Un pistolet à eau! Ouais, j'ai mon pistolet à eau, les gars! Attention! Ok, là, faut pas faire les malins, faut vite, mettre un pouce bleu, sinon je tire! Abonne-toi aussi! Ouais! Je rigole! Attends, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans, là? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Waouh! Je vous jure, je kiffe de fou! Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Mais regardez ça! Oh, trop stylé! Oh, ça se met comme ça? Ça se met comme ça, les gars, autour, comme ça? Oh non, attends, je suis bête, ça se met de derrière, ça se met de par derrière, comme ça, les gars! Ouais, comme ça! Mais regardez, c'est une cape! C'est la cape de Vlad et Nikki, les gars, sur mon dos! Et là, maintenant, j'ai mon pistolet, j'ai ma cape! Oh, faites pas les malins! Ouais, faut vraiment s'abonner, là! Oh, gros! Oh, regardez ce que j'ai trouvé! Oh, la dinguerie! Oh, là, c'est fou furieux, les gars! Attendez, je mets le masque comme ça. Alors là, ça y est, faut plus faire les malins. Ah là, non mais là, je vous le dis là. Là, les gars, j'ai mon masque, j'ai ma cape, et là, j'ai mon pistolet à eau, frère. Faites pas les malins. Ouais, non mais là, en fait, je suis Vlad, mais en mode super-héros. Ouais. Attendez, bon, je mets ça comme ça sur la tête. Eh, là, franchement, je suis stylé. Non mais les gars, entre vous et moi, je suis stylé ou pas? Non mais franchement. Mais attends, mais il y a encore plein de trucs à découvrir. Et ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Mais pourquoi je galère à l'ouvrir? Ok, c'est bon. Ok, qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est, les gars? Yuuuuh!
Oh les gars, c'est une figurine. Ouais, bon, c'est une sorte de grosse figurine en mode attaque. Mais bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse, moi. Il y a des bracelets en plus, il y a un bracelet. Attendez, je mets mon bracelet Vlad et Nikki. Oh, regardez ça, ça... Non mais j'ai un flow incroyable. Non mais les gars, j'ai ma petite cape, mon petit masque, mon bracelet. J'ai tout en Vlad et Nikki, là, c'est sérieux les... Oh, je suis pas crédible, oh mon dieu. Non mais les gars, c'est... Oh, il y a mon téléphone qui sonne là. Attendez, je vais trouver mon téléphone. Mon téléphone, il est où mon téléphone? Mon téléphone, je l'ai trouvé. Hé! Wow! Oh! Les gars, regardez! Mais quoi? Mais je reçois un appel de Vlad et Nikki là, tout de suite là. Pourquoi? Hé, wow, je sais pas trop quoi en penser, mec. Attends, est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois pas répondre? Oh, ça m'a surpris là, comme ça d'un coup, je... Eh, vas-y, on répond, vas-y, je vais répondre. Allô? Allô? Vlad, Nikki, c'est qui est-ce que j'ai au téléphone? Allô, c'est moi Vlad. Mais, et toi là, Robin, tu n'aurais pas récupéré l'œuf super-héros à la terrasse du McDonald's par hasard? Le gros œuf orange super-héros là? Je sais pas, on sait pas du tout. Non, je sais pas, je vois pas du tout de quoi tu parles. T'es sûr, t'es vraiment sûr de toi? Parce qu'on en a véritablement besoin, sinon nous ne pouvons pas commencer notre toute nouvelle vidéo YouTube. Ouais, effectivement, c'est problématique, mais du coup, ça veut dire que vous pouvez plus du tout continuer à faire vos vidéos là? Eh bien non, pour pouvoir commencer ma vidéo, j'ai besoin de mon masque, de ma cape et de mon pistolet. Alors là, je suis vachement confus pour vous les frères, mais franchement, je vous le dis encore, je me permettrai pas du tout, mais alors pas du tout, de vous empêcher de faire votre vidéo et encore moins de prendre tout votre matériel pour faire vos vidéos. Non. J'ai raccroché les gars, je vous le dis, j'ai carrément raccroché. Je crois qu'en vrai les gars, on a fait une grosse bêtise. En fait, j'avais pas du tout le droit de récupérer ce fameux œuf en super-héros des Vlad et Nikki, mais ça leur servait pour faire leur prochaine vidéo. Je pense qu'ils étaient actuellement en train de préparer une vidéo aux abords du McDonald's, et plus précisément au niveau de la terrasse là où on était tout à l'heure. OK les gars, vous savez quoi? Je déplie mon drone les gars, on se dépêche. C'est qu'une question de temps les gars, je vous le dis, faut pas rigoler. Allez, ça y est, mon drone est prêt, ma télécommande est prête les gars, j'envoie le drone dans les airs et let's go. Allez bah ça y est les gars, j'ai pris le contrôle du drone et bah là je me trouve actuellement juste au-dessus du McDonald's. Oui, le fameux McDonald's où Vlad et Nikki auraient été invités. Et là je vous le dis, tout d'abord on va survoler tout le parking. Ouais, tout le parking les gars, on va tout scruter. Et je vous le dis, on va fouiller tout de fond en comble. Ah oui, on va rien laisser passer les gars. Alors là déjà niveau parking, on peut voir qu'il y a beaucoup de voitures stationnées, mais je trouve ça quand même étrange parce que pour un McDonald's qui est actuellement fermé, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde autour du McDo. Ça, je pense que c'est le phénomène Vlad et Nikki. Ça serait pas étonnant, les gars. Je pense que tout le monde veut les apercevoir. Je vous le dis, ce sont de vraies vedettes. Attendez, mais peut-être que quand je réfléchis, peut-être qu'ils ont été aussi invités par le KFC. Parce que oui, juste à côté de ce McDonald's, il y a un KFC, les gars. Et si je réfléchis un petit peu dans ma petite tête là, c'est bel et bien possible qu'on puisse les retrouver aussi aux abords du KFC. En tout cas, là encore une fois, on peut le remarquer, mais au niveau du parking, il y a encore de nombreuses voitures. Alors que les horaires du KFC sont dépassés les gars, et oui, là c'est étrange, franchement je trouve ça très étrange, mais moi vous savez quoi, je vais rester simplement posté devant le KFC en espérant peut-être apercevoir l'une de ces vedettes. Mais oh là, mais attends, c'est... Mais je rêve ou c'est... Je suis pas fou, je les ai reconnus. On les voit bien, ils sont là les gars. Ils sont là les gars, on les a trouvés. Ils traînent au niveau du KFC, ça y est. Oui, on les a trouvés dans la vraie vie les gars. Alors là c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable ce qui se passe. Attends, ils sont passés où? Ils sont partis où? Ils sont partis où les gars? Non, je veux pas les lâcher. Je veux pas les perdre de vue, non. Attendez, bah du coup, laissez-moi le temps de faire tout le tour du KFC les gars. Oh, faut les retrouver. Attends, non. Et oui, je vous le dis, je vais me mettre carrément de l'autre côté du KFC. Oui, de l'autre côté carrément, je vous le dis. Ah ouais, j'ai rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Là, regardez, là, ils sont là. Mais ouais, mais franchement, mais attendez, on peut le dire qu'à l'heure de 3h du matin les gars, ils sont vraiment très actifs. Puis attendez, c'est étonnant parce que je remarque que le KFC, lui, il est encore ouvert. Je crois qu'il reste ouvert toute la nuit. Et là, je pense que c'est à l'occasion de la visite de Vlad et Nikki. Mais ça, c'est sûr et certain, les gars. Ah, attendez, là, ils sont là, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que vous pensez qu'ils sont véritablement en train de préparer une vidéo? Et puis d'ailleurs, je pense que vous le savez les gars, mais Vlad et Nikki sont très petits. Ça veut dire qu'on aura peut-être aussi l'occasion d'apercevoir leurs parents. Oh ça serait une folie. Oh ça serait incroyable les gars. Attendez, là cette fois je vais placer le drone stratégiquement les gars. Oh là, on va plus les rater. Je vous le dis, on va plus les louper là. Attendez, mais regardez. Mais je crois qu'il est en train de tenir une caméra dans les mains et il est en train de filmer son frère.
Regardez, regardez ça les gars. Vous le voyez en même temps que moi. Et ouais, ils sont carrément actuellement en train de faire le tournage d'une vidéo devant le KFC les gars. Alors je sais pas quel type de vidéo ils sont en train de faire. Ça nous fait une avant-première les gars. Ouais, bah ouais. Alors là je m'attendais à tout sauf à ça. Et ouais, ils sont véritablement en train de faire le tournage d'une vidéo YouTube en direct. Et ça franchement, heureusement que je suis toujours équipé du drone là. Bah parce que sinon on n'aurait jamais pu obtenir ce résultat. Et ouais, 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 ouais. Mais ils font carrément une vidéo YouTube en plein dans le parking du KFC. En tout cas, je serais bien curieux de savoir quel type de vidéo ils sont en train de faire. Bon, en vrai de vrai les gars, c'est peut-être le moment de les laisser tranquilles un peu, non? On va les laisser faire leur petite vidéo. C'était très 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 mouvementé les gars. Et franchement, grâce au drone, ça nous a clairement permis d'apercevoir les deux frères, Vlad et Nicky, dans la vraie vie. Et ça, franchement, ça mérite plein de pouces bleus. Je compte sur vous. N'hésitez pas également à bien penser à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines autres vidéos au sujet de ces deux vedettes, les Vlad et Nikki. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Allez, ciao. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de folie les gars. Je vous le dis, aujourd'hui là avec Sim Spooky, on se trouve actuellement dans une station de train très fréquentée par Thomas le train. Ouais. Et puis de toute façon, vous le voyez très bien tout autour de moi les gars, on se trouve vraiment dans une station de train très grande avec de nombreuses voies ferrées. Et là je peux vous le dire, c'est du très sérieux en tout cas. Oh non mais Robtech là, il faut le dire que apparemment Thomas le train se serait déplacé dans cette gare il y a à peine quelques heures quoi. Ça, c'est chelou ça, je vous le dis, c'est vraiment flippant. Bah d'ailleurs au moment où on se parle, regardez, il y a un train, Je vous rassure, pour le coup c'est pas Thomas le train. Ouais. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est clair. Ah là, je pense que sinon on serait pas là comme ça en train de discuter tranquille hein. En attendant là, selon nos dernières informations, comme tu l'as bien dit Sim Spooky, Thomas le train se serait déplacé via les rails numéro 2 et numéro 4. Alors on va essayer de les retrouver. Viens, venez avec moi. Allez, dépêche. Bon, là faut vraiment avoir le sens de l'observation les gars. Regardez toutes les voies ferrées tout autour de nous. Il y en a vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'on sait même pas où donner de la tête. Mais alors là, Sim Spooky, tu vois quelque chose toi ou quoi? Mec, j'entends du bruit, attends. Là, regarde, là. Oh, vite, yo, mec. Il a passé tout près de nous. C'est juste à côté de nous. Écoutez les gars, je pense qu'il faut pas rester là plus longtemps. Moi je prends ça comme un avertissement, Sim Spooky. Attends, Robtech, il faut qu'on parte d'ici au plus vite là. Tout de suite. Attends, j'ai une idée. Quoi, on va pas lâcher l'affaire comme ça les gars. Non. Écoutez-moi bien, on pourrait carrément s'équiper du drone et on va survoler toute cette station de train les gars. Et moi je vous le dis, on va essayer de se le traquer, ce Thomas le train, d'accord? Très bonne idée. Allez, on s'en va. Eh ben ça y est, on est prêt, on est en voiture les gars. Allez Sim Spooky, t'es prêt ou quoi là? Mais ouais, moi je suis vraiment trop chaud là, tu vois. J'ai déjà la télécommande en main, je viens de faire les réglages. Là, on est fin prêt hein. Ok, là j'aime bien ce que tu proposes Sim Spooky. Maintenant croyez-moi les gars, on va faire notre maximum pour retrouver Thomas le train hein. Attends, c'est pas Thomas le train normal hein, c'est Thomas le train.exe hein. Donc il va falloir vraiment faire attention, ok? Oui, précision très importante, c'est vrai que nous avons affaire à Thomas le train.exe. Oh, attendez, mais il y a un train, il y a un petit train qui passe. Regardez, il y a un train. Il y a un petit train les gars. Wow. Eh bon allez, moi je propose directement qu'on fasse décoller le drone. À mon avis, ça sent le Thomas le train.exe dans les parages hein. Le drone est paré au décollage, c'est parti, let's go les gars. Ok. Oh bah, attends Sim Spooky. Retourne-toi. Fais coucou au drone. Coucou. Vas-y, reprends la caméra s'il te plaît. Et moi je vais directement prendre le contrôle du drone. Voilà, on voit la voiture, et juste à côté, regardez, on est tout juste à côté des voies ferrées les gars. Oui. Tu sais quoi Sim Spooky, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement survoler les ponts. Oui, on est juste à côté, vous allez voir, c'est stylé. Franchement, vous allez pas être déçus. Alors, regarde en plus, on y est et il y a un bateau qui passe. Mais oui, c'est les gros bateaux de livraison, les gars. C'est stylé, franchement. Et là, on a de la chance quand même. Au moment où on envoie le drone, il y a le gros bateau qui passe sous les ponts. Mais attends, mais Robtech, là, arrête un peu. Hein. On s'en fout des bateaux. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Thomas le train.exe, ok? Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les voies ferrées. Allez, donne-moi cette télécommande. C'est vrai que moi, je m'intéresse au
au bateau alors qu'en fait c'est pas du tout le sujet principal de la vidéo. Bon allez, c'est pas grave, vas-y Sim Spooky, je te laisse faire le boulot. Hey, non mais là tu sais quoi Robtek, j'ai trouvé un coin beaucoup plus intéressant. En fait c'est le pont à côté de la gare. Et il y a beaucoup plus de choses à voir en fait. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Vous savez quoi les gars, on va essayer de se concentrer. Alors attends, fais regarde, voir. Là tu vois. Ah ouais c'est stylé. Le pont est vraiment stylé quand Est-ce même. Est-ce que hein tu peux essayer de passer en dessous pour voir? Ah là je te dis En fait non c'est risqué, c'est trop risqué. Non le fais pas, ça le va, fais pas. Ça va être compliqué hein. Ça va être compliqué, c'est dangereux. Surtout que c'est dangereux. Là t'es juste en dessous de l'eau. S'il y a un problème, c'est plouf, c'est terminé les gars, il y a plus de drone hein. Bah alors, ouais c'est clair. Fais attention attends, ok attends, c'est quoi, je m'approche mais prudemment quand même hein. Ok. En tout cas ce qui est vraiment intéressant avec le drone, c'est qu'on peut vraiment inspecter tout ce qu'on veut. Et dis-toi qu'on pourrait aussi retrouver des pièces mécaniques de Thomas le Train. S'il est peut-être passé par là, c'est possible hein, en mais vrai. Attends mais là, Robtek là, je sens des vibrations, quelque chose qui arrive là. Ah ouais. À mon avis ça doit être Thomas le Train qui arrive, peut-être. Non, qu'est-ce que t'en penses? Regarde hein. Attends là j'ai bien le visuel. Oh attends. Ah bah non. Eh bah non en fait c'est pas du tout Thomas le Train, c'est un train banal quoi. Non mais tu t'es enflammé là. Mais non attends, fais voir. Regarde. Bah non c'est pas du tout Thomas le Train ça. Non. Mais wow. Mais il est très long. Il y a combien de wagons là? Est-ce que t'es capable de compter combien il y a de wagons là? Ah là mon ami. Ah bah non c'est trop dur là, je peux pas compter hein. Il était vraiment très grand hein. Il y avait vraiment beaucoup de wagons hein. Bon en tout cas là toujours aucune trace de Thomas le Train. Mais on garde espoir, on reste concentré et on reste motivé. Ok Sim Spooky? Ouais ok allez bah, faut pas qu'on lâche hein. Ouais faut garder patience les gars. À un moment donné ça va payer, on y croit les gars, on ouais, y à croit. À un moment donné on devrait bien l'apercevoir ce Thomas le Train. Et hein. oui. Et alors Sim Spooky, est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe là hein? Ah là tu vois je suis en train de quadriller toute la zone. Là c'est un peu compliqué hein. Je vois pas grand chose là hein. Oh Sim Spooky, à mon avis tu dois être aveugle. Allez, donne-moi un peu la télécommande, moi je vais piloter le drone. Oh oui, je vais prendre les commandes les gars. Allez, on prend les commandes et là, oh attends, il y a un train là. Encore une fois, c'est pas Thomas le train.exe, mais c'est stylé. Non, c'est il y a un petit train qui passe. OK. Bon, en tout cas, on peut dire qu'il y a beaucoup de trafic hein. Attends, Sim Spooky, j'ai une idée. Pourquoi pas essayer de passer sous les ponts? Mais oui, regarde, j'ai une idée. Mais tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vois, juste à côté, il y a un pont, mais cette fois c'est les voitures, c'est pas les trains, c'est les voitures. Je vais passer en dessous, mais cette fois je vais faire le tour pour pouvoir directement aller au niveau des voies ferrées. Mais tu verras, tu vas comprendre. Regarde. Attends, par contre, faut faire attention. Là, c'est risqué, c'est une manœuvre très risquée, mais je me sens capable. Franchement, je m'en sens capable. On va essayer juste d'être vraiment très attentif, vraiment pas faire d'accident parce que là, vous le savez, hein, sinon c'est dans l'eau et c'est terminé hein. Allez, on se slalome entre les arbres, entre les branches et là, ça y est, on y est les gars. Oh, franchement, je suis fier de moi. Je suis un très bon pilote les gars. J'ai réussi. Et là, regardez, on est juste en dessous du pont. Oui, on est juste en dessous du pont. Et là, on va un petit peu monter l'altitude pour voir. Oh, attends, qu'est-ce qu'on entend là? Ah, je crois que c'est l'approche d'un train ça. Oui, ça c'est l'approche d'un train. À mon avis, c'est sûr. Quoi? Non mais y a quoi? Je l'ai vu. Je te jure, je l'ai vu. Mais attends, mais t'es sûr? J'ai vu Thomas le train. Il est passé comme ça là, juste devant moi. Je te jure que c'est pas une blague. Ah non, mais t'es sûr de toi? C'était le train bleu là? Oui. Attends, vas-y, file-moi cette télécommande là. Attends, mais non, mais là tu te gourres complètement, Robtek. Hein. Non. Quoi? Mais c'est pas Thomas le train. Hein. Mais quoi? On pourrait y croire, mais non, c'est pas lui en fait. Hein. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde, c'est pas Thomas le train ça. Mais non, mais je te parle pas de ce train là, moi. Ça c'est un autre. Mais juste avant, j'ai vu Thomas le train passer. Je te jure que c'est pas une blague. Tu verras, de toute façon, tu verras à la vidéo. Mais écoute, je sais que ce train là est bleu, qui ressemble un peu à Thomas le train, mais cette fois-ci, c'est pas lui, quoi. Mais j'entends t'expliquer que je te parle pas de ce train là, je te parle du train qui est passé juste avant en fait. Bon, Sim Spooky, je crois que tu veux pas trop me croire, je t'en veux pas, c'est pas grave. C'est quoi, je vais monter un peu plus l'altitude et cette fois, je pense qu'on va se diriger en gare. Oui, parce qu'à mon avis, Thomas le train est... Oh mais... Mais c'est un wagon ça, c'était quoi mais ça ouais. Mais là, non mais là cette fois-ci, là je te crois là. T'as hein. vu bah, là les gars, il y avait le wagon de Thomas le train qui vient de passer. Mais il portait de la marchandise en plus, t'as vu ça? Oui, il y avait beaucoup de marchandises là. Bon bah moi je reprends les commandes et je propose qu'on aille directement au niveau de la gare parce qu'il allait dans cette direction. Oui, ça c'est vrai ça. Hein. Et à mon avis, il y a possibilité qu'on voit Thomas le train à la gare. Vas-y. Ça y est, on est arrivé. Déjà Regarde. Ah ouais, t'es rapide hein Sim Spooky. Et nous sommes rentrés en gare la Robtek.
Ah ouais, bienvenue, bienvenue à vous les gars. Là, on est bel et bien arrivé en gare. Et là, waouh, ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de train. Hey, mais regarde par contre, combien y a-t-il de voies ferrées là? Mais il y en a beaucoup trop. Mais il y en a énormément là, hein. Je sais même pas où surveiller quoi, les gars, je te jure. À mon avis, Thomas le train.exe, il doit être dans les parages, hein, je le sens. Il doit pas être très, très, très loin, les gars. De toute façon, là, on a suivi ses traces. Donc là, à mon avis, il doit pas être très, très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que. Attends, je sais pas si tu remarques, mais. Mais quoi, quoi? J'ai l'impression qu'il y a des voies ferrées qui sont complètement abandonnées. C'est peut-être les voies spéciales de Thomas le train.exe, non? Mais oui. Bah, j'avoue que ça peut porter à confusion, hein. Mais bah oui, à mon avis, il doit utiliser les rails abandonnés, lui, hein. Oui, oui, oui. Bon, bah, tu sais quoi, moi, je vais baisser un peu l'altitude. Ouais. Je vais me mettre au niveau des rails. Mais. Eh, je l'ai vu. Hein? Je l'ai vu. Sérieux? Je l'ai vu de profil. Attends, mais regarde là. Attendez, je l'ai vu passer, j'en suis sûr. Il est passé? Mais de quel côté? Mais oui, je l'ai vu au niveau des voies ferrées abandonnées, j'en suis sûr. Ah bah tu vois, je le savais. Moi je le savais que Thomas le train utilisait spécialement les voies ferrées qui sont complètement abandonnées, qui sont plus du tout entretenues, tu vois. Mais pour le coup, t'avais raison, t'avais visé juste. Hein. Ok, bah tu sais quoi, maintenant qu'on a cette information très très précise, on va spécialement surveiller ces voies ferrées là, ok? Tu sais quoi, je vais baisser gravement mon altitude là, on y verra plus clair, hein. Ouais, bonne idée, ouais, ok, à mon avis. Attends, fais voir. Regarde là. Là, on y est proche, hein. Ah ouais. Là, regarde, bah tu vois, ils sont complètement abandonnés ces voies ferrées là, hein. Donc oui, c'est spécialement ce que Thomas le train utilise pour se déplacer en toute discrétion. Il est malin. Franchement, il est très intelligent. Mais d'ailleurs, nous, avec le drone, va falloir se montrer prudent parce qu'on sait pas forcément ce qui peut se passer. Bon, bah pendant que Sim Spooky gère la situation, je vais dès à présent vous montrer la version démoniaque de Thomas le train.exe. Vous allez voir, il a un aspect vraiment, vraiment, vraiment terrifiant, les gars. Je veux vous montrer ça, ça me tient à cœur. Et accrochez-vous bien parce que ça fait flipper, oui. Et hop, et voilà, je vous affiche directement ça à l'écran. Et ça fait flipper, les gars. Oui. On peut voir que Thomas le train se métamorphose comme une énorme araignée, un géant mille pattes. Et ça fout des frissons dans le dos, là, je vous mens pas, ça fait flipper, hein. Bon, Sim Spooky, c'est pas contre toi, mais là, je vais devoir récupérer les commandes. Ça commence à devenir un petit peu dangereux, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le sait très, très bien. On doit sûrement avoir Thomas le train.exe dans les parages. On est actuellement au beau milieu de la gare, les gars, et là va falloir vraiment vraiment être très très attentif. Et oh, attends. Oh, j'ai pas rêvé. Attends, je l'ai vu passer. Sim Spooky, j'ai cru voir passer Thomas le train, mais en fin de compte, je suis pas sûr. Il est passé tellement vite, il est tellement rapide que waouh. Attends. Bon, je vais essayer de le suivre. Oh purée, je vous jure, il est passé à une vitesse. Je crois qu'il est même passé à 200 km à l'heure, hein. Ça c'est sûr. Attends. Bon, continuons à rester concentrés parce que là je crois que c'est... Là, je l'ai vu. Là, je t'ai vu, hein. Waouh. Là, je l'ai bien vu, Sim Spooky, je te jure. Non, mais là, ça commence à devenir intriguant, là, hein. Il fait que de faire des allers-retours ou quoi? À mon avis, il cherche quelque chose, il cherche sa proie. Donc, fais attention avec le drone, ok? Ouais, là, je vais faire très attention. Ça commence vraiment à devenir flippant, là. Je sais pas, mais ça craint. Franchement, ça craint. J'aimerais surtout pas le voir quand il est en colère et quand il se métamorphose en mille pattes, là. Je te jure, j'ai pas envie de voir ça, donc. J'avoue que c'est vraiment terrifiant quand il se transforme comme ça, hein. Il est très rapide, les gars. C'est ça le truc, en fait. C'est que. Attends. Ah bah non, ça va. C'est pas Thomas le train, mais c'est stylé. Je trouve ça quand même déjà stylé, ouais, hein. J'avoue que c'est stylé, hein. Ouais, il est rapide, hein. Celui-là, il est très rapide aussi, hein. Mais non, je pense qu'il est pas plus rapide que Thomas le train, hein. Ouais, t'as raison. Franchement, il y a pas plus rapide que Thomas le train. Attends. C'est quoi? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Sim Spooky, y'a un problème là! Mais c'est quoi le problème là? Y'a un problème là! Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai plus le contrôle du drone! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu vas pas le croire! Non! Sim Spooky, c'est la catastrophe! J'ai plus aucun contrôle! J'ai plus de signal, j'ai plus rien! Regarde, ça y est, c'est terminé! Oh non, mais comment t'as fait? Mais les gars, je vous assure, j'avais plus aucun contrôle du drone! Et c'est là que Thomas le train m'a foncé dedans, quoi! Mais ça y est, je crois que pour le drone, c'est foutu, on l'a perdu! Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire, mais. Hey, Robtech, laisse-moi faire, je vais essayer de reconnecter le drone pour pouvoir reprendre les commandes, quoi, hein! Ouais, mais à mon. Oh là, c'est fichu, Robtech, hein! Allez, les gars, Thomas le train complètement détruit le drone. Je pense qu'il est arrivé à une vitesse que je pouvais plus rien faire. Je te jure, je pouvais plus rien faire, les gars. Mais en tout cas, là, je crois que c'est clairement le pire des scénarios. Regardez, il s'est affiché nos signal. Donc ça y est, à mon avis, le drone est complètement décapité. Inutile d'aller essayer d'aller le rechercher, je pense. Je pense que là, c'est foutu. Je pense que là, c'est vraiment foutu. À mon avis, il est dans l'estomac de Thomas le train. Il est en train d'être en digestion, là, je pense. Oh non, me dis pas ça, Sim Spooky. Là, franchement, on a plus le drone, les gars. On a perdu le drone. Bon, bah maintenant, on peut plus rien faire. Je crois bien que c'était maintenant la fin de cette vidéo.